faut savoir perdre un, deux ans pour gagner 30 ans après. Il y a une formation, il y a des aides pour ça, il faut y aller. Bon courage à toi. Pour le moment, c'est déjà de les informer des formations que nous allons ouvrir sur leur commune pour qu'ils puissent avoir le maximum d'informations pour se préparer. Des fois, on est chez soi, mais des fois, on ne peut pas tout à fait s'informer. Mais là, ils ont mis un dispositif en place pour qu'on puisse suffisamment se renseigner. Pour chercher des formations du travail, quand il y a des stands qui sont là, ça t'aide mieux dans les recherches en fait. Afin d'aider les jeunes à construire la région et les autres institutions sont à leur disposition. Il y a des choses à faire, il y a des formations. On commence effectivement par Post-Canal. Nous sillonnons toute la Guadeloupe. Comme nous l'avons fait dans le cadre de la région à domicile, maintenant c'est le page à domicile, nous allons sillonner les communes pour que les jeunes ne puissent pas dire qu'ils n'ont pas fait rien pour nous. Ils ne se déplacent pas, ils attendent, ils connaissent tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux en Amérique, en Chine et autres. Mais quand il s'agit ici en Guadeloupe, ils ne se renseignent pas. Et comme je le dis, le PAJ, c'est 5 millions que nous avons budgétisé pour des projets, pour la formation, pour aider les jeunes qui veulent, les jeunes qui veulent créer leur avenir, de pouvoir le faire. Aujourd'hui, c'est une grosse manifestation, je dirais, de communication sur les différents dispositifs qui existent. C'est une belle satisfaction de pouvoir regrouper autant de partenaires pour accompagner la jeunesse et pour être à côté de la jeunesse, pour leur tendre la main. Je dirais que c'est une belle réussite. La région qui a une structure aujourd'hui de proximité et vient présenter son plan Action Jeunesse qui sont des mesures mises en place pour cette jeunesse guadeloupéenne et singulièrement aujourd'hui à disposition de la jeunesse du Nord Grande Terre pour accompagner ces jeunes justement qui veulent se prendre en main avec toutes ces mesures, avec tous les partenaires qui accompagnent la région dans ce dispositif.